m'a fait un cadeau. Parce que, mais ça va pour moi, non? Mais pas position langage. Indirect, on a voilé. Même du cadeau, on m'a montré un verset. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 12. Verset ça, on m'a bien saisi. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 12. Amen. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Car tu as agi en secret. Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Bon, et n'importe monde qui connaît le français, je parle bien, même quand je dégage. Hein? Est-ce que vous comprenez le texte ça? Mais le texte me fait tout le monde cadeau. D'après moi, nous lire, nous souligner la Bible. Et moi, dans la Bible, oui. Et du coup, dans la Bible, là, mon couel. Dieu comme fer. Dieu comme fer, mon couel. C'est le prophète Nathan qui a parlé, qui dit ainsi par l'Éternel, qui a parlé au nom de l'Éternel. Dans le verset 11e, là, il dit ça, ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. On va prendre où est là? Oui. Verset 11e là. Verset 11e là. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Nous là, prophète Nathan, qui a parlé au nom et sous l'inspiration de l'Éternel. Oui. Après David fin couché Madame Uri. Ça, bah c'est tout le monde. Tout le monde qui a dit, pour qui ça passe à Amel, obligé de sanctionner mon et devant tout le monde. Bon, pour qui ça l'oblige, tendez bien. L'homme t'a sanctionné, m'a pas de caméra, m'a pas de média, l'homme t'a sanctionné, moun. M'a pas fait, mais au média, m'a sanctionné, moun. Non. Si m'a de gain. Si m'a de gain, m'a pas de gain. M'a pas à louer au média. M'a pas à louer au média. Pour m'a sanctionné sur les ondes. Mais puisque m'a média. Puisque m'a média, la fin est tout. Et texte a montré que l'Éternel lui-même, David te péché en secret, l'Éternel prend média. Bah, la partie de verset 11e là. Oui, question de contexte. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes. Pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Voilà. À la vue de ce soleil. Oui. Pour tout le monde. Ouais. Tout le monde. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. À la vue de ce soleil, je veux dire, à la connaissance de tout le monde. Tout le monde. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Il y a un monde qui dit l'homme péché en secret pour qu'il soit obligé de confesser. Pour ça, mon obligé qu'on est, oui. Si je me confesse à lui. Avec bon. Bon, mais ça, texte a dit là. L'Éternel dit Israël, il dit David, ou agit en secret, moi-même, je vais le mettre à la connaissance de tout Israël. Oui. Moi, je dis ou bien la parole. La parole. Et la à parole. La face du soleil. Ça veut dire à la face du soleil. Soleil veut dire jour. Oui. Soleil veut dire clarté. Gonsel soleil. Et tout moun wèl. Tout moun wèl. Ça est tout moun a à la face du soleil tout à la face du soleil tout moun a pour wèl. Tout moun a connait son frère. N'importe quoi. Est-ce que jusqu'à présent nous pas connait David coucher madame lui? C'est l'Éternel qui mettait là la face du soleil. Pour tout moun comme ça. Pour tout moun comme ça. Nous même ça nous fait. Nous même nous parler moun qu'on actionne pas ça. N'a pas caché. Mais verset pas. Amen. De Samuel 12, là, si ma femme ministère, sous Satan, mon copier ou bien sous bon Dieu? Bon. Si ma femme ministère pour bon Dieu. Et pour théologien, répondre question ça? Théologien, réponds-moi. Répondre question. N'a pas caché, fait bas, yo calé vert.
nous pas clair. A dit le linge sale c'est la en famille. Le linge sale c'est la en famille. Quand même mais c'est ça. Lors essayer corriger etc. Vous êtes arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Ça va gagner au Kevin dit là. On a dit la Bible a vieilli. Oui, il vieillit. On n'a pas besoin d'appliquer les normes bibliques. Non. Vous êtes arrivé trop tard dans un monde trop vieux. Bon, c'est que texte en manon, si nous croyons la Bible, alors on va aller pour tout le monde. Non, on va aller pour monde qui croit la Bible. Oui, monde qui a Bible dans main. Monde qui a Bible dans main, monde qui voulait respecter la Bible. Qui voulait bien qu'il y ait Bible dans main. Yes, yes, yes. Amen.